Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, l'autre bord de nous. Jeudi, nous sommes mardi 14 mai 2024. Bienvenue dans la deuxième édition Journal Créole. Nous avons présenté par un ami ou Jerry Chirestal en collaboration avec VOA Créole depuis Washington, D.C. Pour dominer l'actualité sur le plan national, le Conseil présidentiel en transition manifesté volonté et pris qui c'est priorité pour combattre violence, surtout après la dernière attaque gang yo même yo te fait en dedans commune Grissier. État actualité dans pays États-Unis, président Joe Biden annoncé nouveau taxe et bien sous produits chinois yo pendant lui-même il annoncé la Chine et pas lui dénoncer la Chine test que l'a fait coquin dans commerce international. Toujours actualité dans pays États-Unis, fois ça c'est États-Unis justice, Michael Cohen qui c'est avocat ancien président Donald Trump continuer à répondre à la question de la justice et répondre à la question de la justice. Je dis à un procès historique, c'est là, côté que l'ancien président Donald Trump lui-même, qui en bas accusation, dès que lui-même, il était acheté silence, actrice qui se vedette, porno Stormy Daniel. Voilà, ça m'y était noté, c'est tout pour ça, avec divers plots, nous va gagner pour nous développer pour vous. Je dis à un journal ça, restez connecté avec nous, une façon pour bien informer pendant qu'on a observé une petite pause. Une autre fois encore, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal SILA. Conseil présidentiel là prend note et lui-même exprimer volonté qui c'est priorité, priorité qui c'est question sécurité pour que capable tabli et pour bailler dans pays d'Haïti avec toute population haïtienne nan nèg examyo qui sorti dans grand ravine à divers l'autre côté sous nous vivre ensemble pour que capable pour que tu capable et bien craser en général commune Gresséa yo entré en dedans commissariat vendredi soir et samedi matin fait tout ça que au même yo connaît mettez du feu fait moun courir et bah gros problème ça a arrêté une cicatrice dans que tout monde qui trouve en dedans Gresséa et surtout ensemble avec conseil présidentiel là bien un conseil là lui-même, il prend toute disposition pour montrer et exprimer volonté yo qui c'est priorité ça, c'est sécurité pour que capable bail population hein, et bien pour capable exprimer et bail et fait tout ça qui dépend de yo pour capable et bien permettre que population gagne confiance dans eux-mêmes dans qualité de travail qui pral bail là qui c'est sécurité. Et bien même mon conseil ça yo montrer et yo montrer expliquer pour capable faire connaître une bagarre yo pral travail sur lui pour que capable voyer un message bail toute gang pour que capable commencer plier que yo fourer en bas vent yo de façon population lui-même li capable et bien en pleine sécurité. De l'autre côté Guy Philippe lui-même li mandé dénoncer demander pour que le conseil présidentiel là tout le monde qui la donne capable démissionner parce que c'est une non corps qui gagne qui montre vraiment extrêmement comment que conseil ça li pas sous tutelle personne sinon que CARICOM alors que conseil là lui-même il pas gagne aucune légitimité li mandé pour conseil là tout le monde qui la donne capable trouver tout démissionner. De l'autre côté, matin encore, malgré après que conseil présidentiel la fin parler pour que capable montrer et que même yo pral prend toute disposition pour puisque yo te gen parler ensemble avec chef la police là qui c'est France LB et bien gang yo voulait montrer puissance encore une fois de plus côté que yo attaqué jeudi lundi jeudi mardi et bien commune Grissier mais fois ça amis internautes yo al attaqué yo zone. Et bien, zone ça, c'est dans même en dedans Grissier, quand il a attaqué, en dedans Grissier, en localité où il est, Colombier, il est arrivé, boule plusieurs cailles, il a tué monde, et population lui-même, il a profité, fait bois calé, sous cinq là-dedans, qui arrivait tomber, sami internautes, et population voulait, yo, et même fait tout ça qu'il connaît ensemble avec gang sa yo, qui te retourné une deuxième fois pour capable venir simer la troublaille en dedans commune Grissier. De l'autre côté, il y a Jean Danas, lui-même, qui c'est un policier 22e promotion, qui arrivait tomber en babal hier, lundi. Et bien, Sénapoua, lui-même, dans une note qu'il fait sortir sur compte X, montre que ça fait 18 policiers qui tombaient en babal
bandits, amis internautes, pendant l'année 2024, ça a commencé. Ça a été un gros problème et une cicatrice dans le cœur la police, dans le cœur la police là, qui montrait jusqu'à présent, ils ont toujours trouvé en difficulté à chaque fois que bandits lui-même, ils ont fait apparition, ils ont attaqué pour faire violence sur eux chaque jour plus. Gagner force, et force multinationale là qui doit entrer dans le pays d'Haïti le 23 mai qui vient là avion par James suspend rentrer qui c'est avion américain et parfois c'est une série de avions de guerre qui entre pour être capable porter différentes personnalités avec différents matériels tout pour capable porter et aider pour capable faire gros préparation pour que Kenya lui-même est capable d'entrer le 23 mai qui vient là pour que il capable venir contrecarrer gang qui a bail problème dans pays d'Haïti. Gagné président en actualité dans pays à l'étranger dans pays États-Unis, président Joe Biden lui-même lui annoncé nouveau taxe sur produits chinois pendant que lui-même lui profiter dénoncer la Chine qui commençait à fait aucun non commerce dans commerce international là la Chine lui-même qui pas accepté et pas rester dans condition commerciale là entre lui-même ensemble avec les États-Unis et Joe Biden il prend responsabilité là qui prend droit grand monde pour le montrer à clair comment que la Chine lui-même li a fait aucun dans commerce international là de ce fait lui-même li annoncé clairement et ben taxe sous produits chinois dans pays États-Unis toujours dans pays États-Unis fois ça c'est États-Unis justice ancien président Donald Trump qui trouvait non moment qui trouvait en bas accusation est-ce que lui-même il était acheté silence vedette en porno Stormy Daniel devait que lui-même était entré en relation sexuelle ensemble avec lui en 2016 pour que lui-même capable gagner élection ça était obligé fermer bouche avec yon somme l'argent de ce fait gagner Michael Lancoin qui c'est ancien avocat républicain et bien lui-même il continuer à répondre question la justice et je dis encore que lui-même il était obligé aller devant la justice pour capable répondre question dans gros procès historique ça qui c'est procès historique Stormy Daniel ensemble avec Donald Trump dans ça qui gagne avec question la justice dans pays États-Unis. Voilà, amis internautes, ces divers points ça yo, ou bra joine plus détails sur yo, ou bra joine plus explication entre temps n'a quitté ensemble avec la voix de l'Amérique pour plus détails. Abdomini actualité. Actualité dans pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition a exprimé volonté prioritaire pour combattre violence surtout après dernière attaque gang yo dans Grecie. Ici aux États-Unis, président Joe Biden a annoncé nouveau tarif sur produits chinois pendant qu'il dénonçait la Chine de ce que l'a fait coquin dans le commerce international. États-Unis justice, Michael Cohen, ancien avocat Donald Trump, continue à répondre question Jodia dans procès historique ancien président qui en bas accusation de ce que l'été acheté silence vedette porno Stormy Daniels. Et puis dans la région Moyen-Orient, il y a une négociation qui continue à faire dans le pays d'Égypte et Washington espère que la trêve qui va déboucher après la négociation. Mais actualité, appelez-nous d'abord dans le pays d'Haïti. Bienvenue, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Le Conseil présidentiel transition a exprimé volonté prioritaire pour combattre violence, surtout après la dernière attaque gang fait dans Grecie. Yves Manuel, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Suite à l'attaque bandit armée au fait contre le sous-commissariat Grecia dans la commune Kafou, Conseil présidentiel là dans une note pour la presse, rete quoi événement ça montré une autre fois encore priorité des priorités à s'écraser banditisme dans tout pays hein, qui donc assurer sécurité population haïtienne. Conseil a rete quoi c'est responsabilité pour garantir sécurité chaque citoyen en de pays hein. Dans communiqué pour la presse ça qui rend public 13 mai 2024 là et qui signé par Edgar Leblanc, concernant dit li indigné après Jacques Bandi au fait dans commune Grecie, côté la police a pas reprendre contrôle situation. Dans jour cap vini la yo, Bandi a suspend dicté loi yo, c'est ça conseil la promette pendant l'annoncé formation avant longtemps Conseil national sécurité hein, selon vœu accord 3 avril. Accord 3 avril là, n'a souligné prévoit formation Conseil national sécurité hein. Cependant divers jours passés déjà, aucune mise en place pour qu'on fête dans ce sens. Conseil présidentiel là réitéré engagement li pour mettre en place et structurer ça
pendant le remercier population haïtienne pour maturité et patience li. Conseil national sécurité a bien pour coordonner relation entre police nationale là, force l'armée d'Haïti et puis soutien international là dans domaine sécurité. Une association qui prend une véritable machine de guerre contre bandits dans tout pays hein, selon sa conseil a souligné. En plus, attaque gang armée dans la commune Gressier qui était fait objet de discussion dans le conseil pendant le week-end écoulé. Même conseil présidentiel a travaillé tout sous inventaire des gars mouvement dernier mois causé dans Port-au-Prince et divers autres côtés dans le pays, côté gain divers casses et incendies qui fait. Selon le conseil présidentiel Leslie Voltaire, des gars gain effet yon goudou goudou sur tout le pays. Moi, c'est Yves Manuel. Depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et actualité a mené nous dans Jérémy, dans le département Grandens, côté ancien sénateur Élie Guy Philippe, mandé démission membre conseil présidentiel transition. Mackinson Charles, c'est correspondant nous dans la région. Ancien sénateur Élie Grandens, Guy Philippe, pendant passage li, jou kite samedi 11 mai 2024 la nan ville Jérémy, te profite pale nan micro la presse pou dénonce conseil présidentiel la, selon li même ki pa reflete choix peuple la, en même temps profite ba raison ki fè révolution pou ko rive abouti, Jean pil moun ta souhaité ça. Conseil de femme ça pa mené Haïti aucun côté. Il pa ka mené Haïti aucun côté. D'ailleurs, chaque bureau un exemple, combien moun il va gagner, combien l'argent pou dépenser pour gagner 9 bureaux. On dit presque une centaine de noms. Chaque pour une machine, chaque pour un gaz, chaque pour un feu, chaque pour un chien. Nous pays déjà pour. Quand on a besoin d'argent pour investir dans l'agriculture, quand on a besoin d'argent pour investir dans l'éducation, qui s'en est qui défend? Qui est-ce qui me dit là? Il n'y a pas aucune légalité. Il n'y a aucune légal qui a fait pour dire que c'est une légalité. Il n'y a pas aucune légitimité populaire. Donc, le monde qui a besoin de révolution, révolution, ce n'est pas un coup d'état, non? Révolution, ce n'est pas une prise d'âme, tant qu'on prend des armes, on voit, non? Non. Révolution plus profonde que ça. Révolution, c'est un système qui vient de changer, il compte prendre la printemps, on ne peut pas faire tout, on ne peut pas arriver sur le pouvoir. Ça fait révolution supposée continuer. Et une révolution pour le monde, il a Guy Philippe. Même si Guy Philippe a disparu demain, il y a l'autre jeune garçon qui vient de prendre. On a pris le côté pour nous vivre. Nous allons aller droit au but et nous avons besoin d'un besoin. Il a toujours soumis toi. Il a toujours là pour me dénoncer. Et c'est pas aujourd'hui avant d'avoir un mouvement révolution. Ancien sénateur Élie Grandens a demandé pour mon conseiller capable de la raison pour démissionner pendant les comptes de déploiement de forces étrangères dans le pays. Tant qu'on n'a rien contre aucun politicien dans le fond, on a samedi, puis mon conseiller capable de se démissionner. Où Dieu prend pas bon, où Dieu prend y a crasé Haïti. Comment on comprend que le bon pouvoir pour Blandjou, avant, il y a maintenant forcé pour dire qu'on accepte l'intervention militaire dans le pays? Qui patriote, qui haïtien, qui compte tout ça ne passe pas intervention? Depuis qu'il y a une intervention, 1994, 2004, tout côté. Qui sa intervention, j'en fais pour nous? Qui sa intervention militaire, j'en utile à Haïti? Pour un patriote, je veux dire, il y a force aussi pour une autre intervention qui va même militaire qui a été dit, non? Police Kenya, une police qui corrompt, une police qui a tout problème par la gare. Yo vle yo vin la, pou yo vin et di ok, pep noua sa wak ap yon, se karo total. Depi Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. L'autre point dans l'actualité a gagné action gang Améo qui gagne un pile impact sous pays mais qui gagne impact principalement tout sous et santé mentale Timounio. Nous parlons ça avec Fred Kaimit. Violence qui crée la troublée dans le pays d'Haïti traumatise Timounio. Nous voulons dire qu'il y a un gros impact sur la santé mentale. Quand la société haïtienne a développé une tendance pour craser tabou, vie préjugée à conception sur ce qui est rapport avec le service de santé mentale. Chaque jour, jeune ça est exposé à Brilaria qui charge avec violence dans le coup de cartouche, balle cap chanté, avec le monde qui a pris les embrés devant la terre gang à Simaï. Et les vieux dans la ria, y a passé beaucoup de cadavres avec troubles dans le corps. Par exemple, dans la zone de bon repos, dans la partie non capitale de la Port-au-Prince, et les vieux kon vomi, pipi sou yo dans la classe, pendant coup de zamlou ap chante. Yasmine Dewosh, yon psychologue partage stratégie d'utilise pour aider Timon yo. Mwen pa bali possibilité, comme si pou li inquiéter de bal yo, de situation, parce que mwen occupé tant. Soit nous n'avons pas joué là, n'avons joué ensemble ou bien n'avons dialogué.
Sous dossier ça, Bruno Mahes, représentant UNICEF en Haïti, dans interview avec AP, t'a présenté impact situation gagné sous timon yo. Violence ça traumatisant. Eh bien c'est une génération timon ak jeune qui ici a. C'est peut-être ça violence doit kaba. C'est pour ça nous besoin sécurité, nous besoin protection. Nous devons mettre sous pied un petit crasse l'espoir ak service dans un environnement sans violence. Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, en bas la terre à gros attaque gang puissant qui contrôle d'après un rapport Nations Unies plus 80% zone métropolitaine. Non? Violence a eu la cause la mort au moins 2500 monde mourir ou soit blessé dans trois premiers mois dans l'année 2024. Là. À peu près 900 écoles fermées portes à travers Port-au-Prince pendant fusillade et kidnapping continué. Amos, lui, qui c'est un maman qui quitte Kaili à cause d'activité gang, t'es parlé de situation li. Qui côté mal va mettre l'école là. Un problème de sécurité, si moun nan l'école, vous en êtes tiré et courir à courir avec si moun. Problème de sécurité, tu m'as amené à l'école. Avec l'école, vous voulez, si tu m'as pas de moyens encore, juste pour payer l'école pour vous. Pendant ce temps, il y a une nouvelle équipe gouvernementale qui prend tête PIA en parlant des conseils présidentiels de transition qui gagnent. À gouvernement qui pral monter. Comme pigou de fio gagné, c'est rétablir sécurité dans pays a et bloquer activité gang yo. Yon reportage, préparation et présentation Fred Kaimit, n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, côté coordinatrice générale programme national cantine scolaire, Madame Calixte Delatour, souhaité phénomène gangsterisation fini dans le pays pour activité programme non, on a parlé de programme cantine scolaire, et bien qui paralysé, capable de recommencer. Yon reportage, Rouen Toussaint, depuis Port-au-Prince. Phénomène gangsterisation, banditisme là, il y a une incidence grave sur fonctionnement, capacité opérationnelle, programme national cantine scolaire PNCS, d'après coordonnatrice générale institution ça, Madame Gina Guyer de la Tour. Par rapport avec situation pays, on connaît nous-mêmes, nous c'est directement c'est sous ministère de l'Éducation nationale que nous y est. Ça veut dire c'est ministère des Finances, tout ça qu'a fait ça, il a atteint nous comme institution. Donc j'en que pour opération t'a fait pour t'a acheter manger joindre manger nous pas arriver faire ça et bon bon exemple nous capable dire nous gagne un marché que nous t'ai ouvri depuis l'année dernière marché a fin validé nous connaît que n'a joindre manger à pour nous bail et puis les pour nous t'a joindre manger à pour nous bail problème en série de bagages fait que manger à pour nous pas jamais ca river recevoir manger ça pour faire distribution ça veut dire problème pays li atteint nous. Li fait que PNCS pas fait moyenne dans classe là, l'el pas fait moyenne en tant que opérateur, nous pas honte tout pour mettre, nous pas capable mettre parce que nous pas fait moyenne vrai. Madame Delatour dit malgré tout, grâce à support différents partenaires locaux et international, tant que Fonds national éducation FNE et programme alimentaire mondial PAM, il y a plus passé 1 million de monde qui bénéficiaient programme cantine scolaire. Là nous t'ai vini et nous t'ai pour chiffre que nous t'ai gagné yo, c'est et moins que 500 000 personnes j'ai chiffre là bien, mais qu'on y a là nous à plus de 1 million. Nous baillons un rapport détaillé, OK, de mais qui partenaire pour faire 30% à joindre comme si c'est un bagage qui fait de manière et transparent. Nous baillons tout chiffre yo, tout yo disponible sur site PNCS. Sous site et sous tout réseau honnête, moun yo capable ouais chiffre et ouais chaque partenaire mais qui quantité yo fait et PNCS tout mais qui quantité l'en pas faire moyenne tout comme opérateur nous mettez lui parce que l'année dernière pas faire moyenne et année ça pas quoi n'a faire moyenne encore dans opération pas dans régulation. Lydie, département l'ouest précisément zone adjacente Port-au-Prince vraiment pas bénéficié à cause phénomène insécurité. Madame Delatour fait connaître y a travail sérieusement pour que yo reprenne activité yo dans région ça pendant le fixé objectif pour que d'ici l'année 2030 tout le monde l'école participer dans programme cantine scolaire Rouen Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Rouen Toussaint. Et plus passé yon centaine monde qui fermé dans prison civile commune Kafou a fait face à un problème grand goût sans pareil. Masiado Vilme gen détail sous point ça.
activité gang yo a mené dans rentrée ak sorti site Port-au-Prince pesé l'eau sous deux prisonniers qui fermé dans prison civile commune Kafoua. Yo citoyen qui présentait tête li comme yon responsable prison qui pas d'accord nous cité non a bay détail. Dans moment n'a parlé là prison pas gagne manger. Bon, l'état connaît problème pays a, l'état en difficulté pour passer matissant avec manger un petit gens difficile. C'est raison ça qui fait prison qui veut manger. Les nourrir les supérieurs hiérarchiques nous parler avec lui dit mais qu'il est bien cap fini mais en nous font titane et pour le moment nous pas gain poids pas gain d'huile. Vous connaissez pour assurer et sécurité prison faut prisonniers venir manger. C'est 155 prisonniers fermés là si nous pas gain manger pour nous baio bah la catastrophe pour nous. Le problème à Venezuela là c'est que nous manquons matériel pour notre travail. Nous pas gain gaz à dire pour nous question éclairage là et cetera. Nous doit dire au monde yo pas arrivé identifier touyer et puis aller à cadavre policier Jean Danas dans la nuit lundi 13 mai 2024 là dans commune Kafou puis précisément côte plage 20 d'après syndicat national policier haïtien yo Sinapoa ça fait 18 policiers yo compté qui mouri assassiné depuis commencement année 2024 là. Cependant situation rete compliquée dans rentrée ak sorti site capitale là si tout dans commune Gressier. Citoyen ak citoyen kap chèche vake ak okipasyon yo gen kontrènt pou yo frekante route nationale numéro 2 a. Nou bezwen pase nan route la pou nou al vann Léogane, pou nou al vann Difo. Route la bloke, pa bay machine pase ou pa bay moun nan pye pase. Jeudi 4 du matin, nous levons. C'est la ria pour nous pour chercher la vie, pour nous prendre soin de famille. Alors que début matin, début à 4 nous dans la rue, pour nous pas garder une machine pour nous traverser Gressier, bloquer Gressier. Et voilà pourquoi nous ne pas demander l'État pour faire rien, pour nous savoir si c'est la rue, pour nous traverser, pour nous chercher du dégagement. Comme nous, comme la banque nous prêter, avec nous allons dégager, nous allons marcher en sécurité ou pas traverser, nous allons venir. Situation ça, c'est conséquence bandit qui a cherché à prendre contrôle comme une Gressier depuis le week-end passé. Yon l'autre côté, moun kapabwe yon mouvement nettoyage jeune ak autorité nan commune Delma tanmen jeudi mardi 14 mai 2024 la nan l'idée pour forcer la vie reprendre après zak brigaday bandi vivent ensemble yon fait nan yon beau parti an dan commune nan. Yen ki kampe ki pren initiative kote ke nou di Delma pa peri. C'est ça fait nous lancer opération ça nan Kafoua ou bon, nous pa prete sel Kafoua ou bon. Nan fel, ceci et certain, nan fel nan tout Delma. On a fait dans toute Delma, de bloc en bloc, de quartier en quartier, pour faire à mesure. L'autre jeune qui a fait politique dans Delma, décidé de rejoindre nous, on a continué et travailler à la campagne. Pour finir, Namzou, force de l'ordre continue à affronter groupe civil armé qui a cherché à prendre contrôle sur l'île depuis plusieurs mois. Pour jeudi mardi 14 mai 2024 là, moun kapab tande un pile coup de balle qui a chanté dans Solino, Belay, Fort National, pour citer ça ou seulement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Rovilme pour VOA Créole. Ou toujours sous VOA Créole, ou à suivre le programme dans langue créole haïtienne, c'était actualité à concernant le pays d'Haïti, pas à déplacer actualité internationale là dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux actualités internationales là. États-Unis justice gain Michael Cohen qui c'est ancien avocat, ancien président républicain Donald Trump qui continue à répondre question la justice dans procès historique ça à côté ancien président en bas accusation comme qualité acheté silence yon vedette porno Stormy Daniels. Nous parle gain gentil Augustin Junior qui gain une mise à jour pour nous. Ancien avocat Donald Trump là, Michael Cohen, digéri à jeudi mardi 14 mai 2024 là, dans une réunion dans bureau Oval là dans mois février 2017, président américain yan dans moment te confirmé un plan pour rembourser en cachette l'argent li te payé pour silence vedette pornographie Stormy Daniels. Cohen, qui représentait un témoin clé dans procès criminel Trump là dans New York, te admet tout, li te bay menti plusieurs fois. Après li te fin prêté serment pour le dire toute la vérité, mais li te insisté que li te fait ça pour le rester loyal vis-à-vis Trump pendant que procureur yo t'a cherché contre-attaquer crédibilité Cohen.
Dans premier jour li comme témoin, Cohen te détaillé qui Jean Trump te ballod pour le payer actrice film porno Stormy Daniels. Feli, Cohen te rappelé Trump te dit pour qu'un bé histoire li sou yon soi-disant rencontre sexuelle dans l'année 2006 avant élection 2016 yo. 130 000 Cohen te bay Stormy Daniels pour Donald Trump dans mois octobre 2016, trouvé l'un quel procès historique ça qui dans 5e semaine li. Trump, 77 l'année, candidat républicain pour élection présidentielle 2024 là, te plaidé non coupable et rejeté causé comme quoi li te gen relation sexuelle avec Stormy Daniels. Li considéré procès ça tant kou yon persécution et comme yon interférence adversaire yo dans campagne li pour reprendre Maison Blanche là nan main président démocrate là Joe Biden. The gag order has to come off. Gage order doit lever. Qui donc, le opposé mion question sou moun n'a parlé ya, mwen pa gen droit répondre. Pas jamais gen an yen konsa nan l'histoire pays nou an. Se yon anak, se yon ingérence électorale nan yon niveau nou pa jamais wè anvan. Et puis kounye ya, si ou pa gen problème, mwen pral entrer nan glacier ya et puis chita pou yon bon titan. En tant que yon gros républicain nan Congrès ya, Mike Johnson, c'est pi ancien nan même parti ya qui paraît ak Trump de yo tribunal la nan New York. Côté, yo accusé Trump parce qu'il était essayé cacher yon paiement silence, yon star porno pour renforcer campagne présidentielle li nan l'année 2016. President Trump is a friend and I wanted to be here to support him. Président Trump, c'est yon zami et moi te vle là pour me supporter. Ça c'est 5e semaine président Trump nan tribunal pour jugement ça. Il a fait ça exprès pour qu'un bel ici là et puis empêcher le faire campagne. Procureur yo dit Trump te rembourser Cohen après élection yo. L'élite te créé faux dossier qui indiquait c'était pour frais légal yo. Remboursement déguisé ça yo formé base 34 accusations pour falsifier dossier business Trump a fait face. Cohen 57 l'année. Te dit que l'élite bay Congrès a menti plusieurs fois pendant yon enquête sous lien Trump à Clarissi. Finalement te plaide coupable pour faux témoignage. Li te di jiri yo tou ke li te bay menti sou paiement Daniels ak yon lot femme. Li di reporter yo ke tyon pat gen aucun implication et puis pressement de Daniels pour le publier yon déclaration qui démenti rencontre yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Donc pour ça après continuer qu'on y a fait ça les examination de toute déclaration que et ancien avocat et ancien ami tout près ancien président Donald Trump en parlant de Michael Cohen n'a prêté toujours ici aux États-Unis côté président Joe Biden il prend la parole aujourd'hui à côté l'annoncer les a metté augmentation drastique sous produits électroniques pays chinois mes déclarations. Dear Debbie, welcome. And Haley Stevens, but for too long it hasn't been fair. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies. Trump dit là, et justice ça là trop longtemps. Pendant plusieurs années, gouvernement chinois a pompé l'argent, l'État n'en ayant paquet de secteurs, toujours dans le domaine semi-conducteurs, machines électroniques, panneaux solaires. La Chine subventionnait tout produit ça. Ça qui poussait entreprises chinoises à produire plus parce que ça le reste monde là capable d'absorber. Et ça qui en plus il l'a gagné sur marché à un prix injuste et qui puis bas passer l'autre fabricant yo. Et ça crée la faillite. Président Joe Biden dit ça pas fait encore. Nous pas quitter la Chine inonder marché noir pour rendre impossible pour constructeurs automobiles américains rivaliser d'en façon qui équitable et avec exploitation droit de douane qui rivait la augmenter plutôt et prix droit de douane qui rivait à 25% sous batterie machine électronique yo qui sorti dans la Chine et à 25% sous minéral essentiel yo qui nan batterie sa yo en parlant de batterie chinoise. Donc, président et prend la parole aujourd'hui et pour te augmenter tarif sa yo sous produits électroniques pays chinois yo, faut dire que ben rivalité entre première puissance mondiale en parlant de États-Unis avec et la Chine qui deuxième puissance économique là, ben c'est un bagage qui toujours dans actualité et aujourd'hui président Joe Biden lui-même lui dit que ça rivait trop longtemps, force son bagage
qui yo capable adresser. Et puis l'autre point d'actualité, il y a un secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui fait une visite sans attendre dans Kiev côté il déclaré assistance et les États-Unis arrivés pendant que Ukraine a traversé une période difficile. Marie-Luce Pierre. Président ukrainien Volodymyr Zelensky te remercie les États-Unis pour saluer un paquet assistance essentielle pendant l'été organisé un chita par les Madi dans Kiev avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Zelensky te dit Blinken, visite à Tabvini pendant une période difficile pour les pays noirs pendant la Russie te intensifié attaque Léo sur région Kharkiv là. Very good to see you. I bring as well. Blinken te dit les États-Unis ensemble avec l'autre partenaire ukrainien déterminé pour assurer que Ukraine gain ça les besoin pour les réussir dans la bataille contre l'invasion la Russie. Les États-Unis ont annoncé dernière contribution li dans l'effort la guerre Ukraine là, c'est un paquet $400 million dans armes et équipement. Visite Blinken la donne tout un chita parler avec premier ministre Denis S. H. Mile avec ministre affaires étrangères Dimitri Kuleba. Et puis, la brigade pour faire un discours dans Kiev. Porte-parole département d'État américain Matthew Miller t'a dit dans une déclaration que Blinken t'a discuté sur mise à jour champ de bataille, impact nouveau sécurité américain, avec assistance économique, sécurité à long terme, avec l'autre engagement, avec travail continuel pour renforcer récupération économique Ukraine. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Actualité à Pénénou dans la région Moyen-Orient, côté que Washington espère va gagner un trêve, va réussir à joindre un cessez-le-feu à travers négociations qu'a fait dans le pays l'Égypte. Faut dire déclaration Washington ça vini Jean-Robert Philippe dans moment Israël annoncé un plan que le gagner pour le mener une opération dans sud et ville Rafah côté que il y a des gens qui parlent de 1,2 million, des gens qui parlent de 1,5 million, côté que ni Washington, ni Nations Unies pas d'accord avec une opération l'armée israélienne, Jean-Aubert. Effectivement, Jacqueline, ben ça devient une compliquée situation toujours. En plus de ça, on dit là, il y a un autre dossier encore qui est rentré pendant la négociation abdéoulée en Israël avec Hamas, que les États-Unis souhaitaient que tu as trêve là-dedans. Mais c'est une annonce qui fait comme quoi tribunal et criminel international des Nations Unies prend le temps des plaintes Afrique du Sud déposées. Côté li dénoncé ou bien encore, côté li accusé Israël pour génocide dans la guerre menée dans le territoire Gaza. C'est un bagage qui va aux États-Unis en pile inquiétude dans le moment que les États-Unis ont encouragé de partir pour les États-Unis ont entente qui va déboucher sur libération aux États-Unis et puis tout pour être rencontré dans la guerre qui a déjà touché le 7e mois. Tristesse plusieurs milliers de monde à vivre dans le territoire Gaza souligne les besoins urgents, leader mondial a gagné pour mettre fin dans la guerre dans le territoire après plus de 7 mois de bataille. Crainte ça n'a pas empêché Israël à préparer pour lancer attaque dans la ville Rafah qui est chargée avec monde malgré objection des États-Unis. This particular negotiation has had its ups and downs. Its ins and outs, its Conseil national Maison Blanche, Jack Sullivan, déclaré négociation particulière, ça a gagné bon avec mauvais côté. Capable de gagner un cessez-le-feu demain. Si Hamas libère otages qui blessés avec personnages, nous avons confiance. Israël mettait sous table une bonne proposition et que Hamas fait une contre-proposition. Mon l'enveloppe pour gagner un cessez-le-feu. Mon cap fait demande ça, d'où demander Hamas, chita sous table et puis travaille jusqu'à ce que yo joigne une entente. Gain une nouvelle fissure dans le processus là. Égypte qui a accueilli négociation yo dit li supporter plainte pour génocide qui déposé contre Israël devant tribunal de justice internationale là. Jack Sullivan déclaré, mais pas capable de dire, support ça a aidé dans une discussion qui a déroulé en Égypte entre Israël avec Hamas pour essayer de régler question accès à assistance humanitaire. Mais moi, je connais Égypte, Israël, États-Unis, Nations Unies, eh bien, ils tous ont essayé de travailler ensemble pour une façon pour avancer. En est-ce que vous avez une confusion dans le message Washington? Non. Particulièrement sous plan Israël gagné pour lui lancer une grosse opération militaire dans le sud ville Rafah. David Makowski, un éminent collègue dans Washington Institute et directeur projet Corel dans relations israélo-arabes, a déclaré qu'il y a quelques signaux de département, bon côté administration. Il y a des délais, c'est en cours, il y a compte
tout bagay ki gen pouè avec Rafa. Gen l'autre fois, yo di non, non pas contre Rafa. Nou pou jan mwè plan, mwen kwè se yon bagay ki dwe klarifye. Leadership israélien a fait face avec pression bon côté citoyen qui a accusé premier ministre Benjamin Netanyahu comme responsable qui a chauffé du fait dans la violence palestinienne. Pendant ce temps, Israël continue à attaquer le territoire Gaza malgré responsable à chercher une route de la paix. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis, communauté catholique là dans Miami marque 25e anniversaire en paix bien connu dans la zone. Serge François Michel, gain détail. Religieux des autres, Miami, quand pile côté des États-Unis, même en Afrique, pour réunir dans l'église Sacré-Cœur, dans Ville Homestead, dans sud-ouest Miami, côté l'église là, t'es organisé, il y a aucune fête de célébration pour marquer 25e anniversaire curé paroisse là des piles des Sacré-Cœur catholiques. Curé l'église là, Père Robes Syrian Charles, t'es habillé même Jacques, Père Gabriel Mbea, qui est sorti directement tout près à Abuja, capitale pays Nigeria. Pas de côté pour piquer les épingles dans l'église là, Père Original Jean-Marie, qui s'est curé l'église Notre-Dame, dans Haïti, dans Miami, t'es présent. C'est vraiment un moment de grande joie pour moi-même, parce que Père Robert, ensemble avec nous, nous gagnons toute une histoire ensemble. Nous entrons dans le séminaire ensemble, et de Saint-Jean-Vianney à Saint-Vincent-de-Paul, et ordination Robert, c'était 25 ans de cela, je songe de date ça. 11 mai, c'est un moment vraiment qui était dit en pile pour moi parce que j'ai contemplé moi-même pour ordination PAM. Et le regarder, nous tous deux, nous faisons chemin ensemble. Gababdou, c'est vraiment un pile sacrifice et en volonté. Et ça, c'est toujours bien qu'il y a Père Robert, c'est une passion pour le sacerdoce. Et non seulement ça, c'était toujours un qui révélait et manifestait un acte de foi dans la ville. Père Robert Charles travaille-tu dans l'église là? C'est lui qui chantait chaque dimanche messe en anglais pour Américains, messe pour monde qui parlait payol, et messe créole pour Haïtiens. Il était parlé à Véora créole pour dire qui sa célébration ça représenté pour lui. Myself, Jibri, c'est un coup que moi, je me suis ordonné, c'est aider mon Dieu. Oui, c'est tout nos servant dans toutes conditions, dans toutes bonnes conditions, dans tout chemin la vie, mon Dieu, et Dieu va accompagner. C'est ça qui fait la différence. Et ça a poussé un peu de maladie. Nous pouvons mettre ça chaque fois. Nous pouvons mettre ça chaque fois. Dans la vie. Remets service sans rien. Donc c'était un grand moment dans l'église catholique là, c'est là nous mettait fin. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et à demain.